Tu as vu, this is being live stream, donc you got it? Okay. Oui, j'ai cliqué sur Got It, ouais. Ouais. Et dès que tu l'as, tu envoies tout le monde. J'envoie ça. Non, je vais avoir ça. Où je vais l'avoir? Sur YouTube? Oui, tu affiches your live in YouTube, tu copies le live streaming link. J'en ai fait ça. Comment je fais ça? Live on YouTube. Là, quand je copie le streaming live link. Oui. Je copie. Tu envoies sur ton WhatsApp ou bien sur ton mail. Va bien mieux, Marie-Louise. Tu l'as eu? Non, j'ai pas essayé. J'essaie. Santé aujourd'hui. J'essaie encore là. J'essaie d'ouvrir mon WhatsApp. Ma connexion qui est en train de tarder là sur WhatsApp là. Pas encore ouvert. J'essaie sur le laptop là. Ma connexion est encore. Ce que je vais, parce que moi, désolé de. Ça tourne encore. J'ai pu envoyer sur Saint-Joseph. Allez, j'envoie sur les autres aussi. Ok. Community. Très bien. Ok. Bien, bonsoir tout le monde et j'espère que les autres peuvent nous rejoindre à l'heure. Mais merci de nous faire confiance. Et il y a des personnes qui étaient là, ils sont partis. J'ai vu Isabelle, Oyeta. Puis, pas grave. Bonsoir, Juliane. Bonsoir, Marilyn, Gisèle, Ruth, Martine. Bonsoir. Les autres, quand ils l'ont vu, ils sont partis sur le YouTube. Très bien. Bien, bonsoir et bienvenue à notre session. Bon, j'ai les anglophones sur le YouTube, donc je vais voir un petit coup. Je vais faire plus en anglais avec en français de temps en temps. Mm-hmm. Bonsoir Marlène, et voilà. Bien, welcome to the what we call Grieving with Mother Mary. So we have been sharing this flyer for you and welcome today, because we would be sharing on grieving with Mary. Because when you talk about grieving, usually we have to honor Mother Mary first. So we'll listen to this Andrea Bocelli Gracia Fleda.
Vous avez pu voir Fatima, les trois enfants de Fatima avec Andrea Bocelli. So Mary's life is an example of grief, walking the way of the cross and flamed by faith, hope and charity. Grieving with Mother Mary, usually when we think about grieving, it's bereaved family who lost their members, suffering marriages, financial woes, and other complexities of life. Donc, les souffrances, les deuils, donc il y a un décès dans la mort, dans la famille. Et aujourd'hui, avec COVID, on a eu 28 hier, apparemment. Donc, c'est vraiment des souffrances énormes que les Mauriciens vivent en ce moment-ci. Donc, pour nous aussi, c'est un temps de prière. Mais il y a aussi quand on fait grieving with Mother Mary, parce que des fois, on a beaucoup de souffrances et aussi ce deuil. Par exemple, failed interview pour quelqu'un qui va faire une interview, qui cherche un travail. Donc, elle n'a pas le travail, donc il n'a pas d'argent. Et puis, broken family, les parents divorcés, les enfants sont partagés. Lorsque les relations qu'on a perdu. Toutes ces relations perdues, on a rencontré quelqu'un, on croyait, puis ça n'a pas marché. Des thwarted plans, des plans qu'on a faits pour l'avenir, et puis rien ne marche. Et surtout, d'autant plus maintenant, on ne fait plus de projets. The insulted friendship, donc les amis qui étaient des bons amis, et puis après, ils ne sont plus. The shattered dreams, donc des rêves qui ont été vraiment déçus, on avait fait des plans et puis des destroyed ministries, c'est-à-dire surtout ceux et celles qui sont dans les ministères, qui servent dans l'église. Il y a tellement de désespoir et de
et de colère. Donc, tout ça se fait que on va pleurer avec Marie pour qu'elle puisse nous soulager parce qu'elle, elle connaît la souffrance. Donc, we are here to comfort the sorrowful. To comfort the sorrowful is one of the spiritual work of mercy. So let's transform self-pity, because usually when we are hurt, we are grieving, we try to have to self-pitying on ourselves, say we are the one who was going through. So we'll try through these 1 or 1.5 hours to transform the self-pity, even the righteous grief, into pity for our mother and for those who are throughout the world are suffering. Donc, il va nous demander de convertir notre apitoiement sur nous-mêmes. Et même si notre chagrin est justifié, donc nous allons apprendre à avoir pitié de notre mère et de tous ceux qui souffrent à travers le monde. Compassion. Compassion is to suffer with. And once others have suffered with us, we in turn may suffer with them. Et ce qui nous est appelé aujourd'hui à souffrir avec les autres, avec avoir de la compassion. And to extend compassion, a listening ear, and to render service to those who maybe are grieving for the same reason. Parce qu'il va y avoir de la compassion pour beaucoup et avoir un temps d'écoute pour ceux qui sont au service des autres et qui sont en train de faire le deuil pour la même chose. Peut-être un mort dans la famille, peut-être un divorce qui est en cours, ou bien qui ont perdu beaucoup d'argent et qui ont perdu leur emploi et qui sont dans des difficultés financières. Donc, allow your grief to be touched by hope, to grow to compassion and active charity. C'est-à-dire laisser notre deuil d'être touché. C'est ce deuil-là doit être touché par cette espérance. Et aussi, plus on a cette espérance, plus on va grandir dans la compassion, plus on va pouvoir servir les autres. Donc, Mother Mary, she is really the medicine of the sick, and she is the companion of sorrowful. Pray for us. Peut-être tout le monde vous le dit ensemble. Mother Mary, the medicine of the sick, and companion of the sorrowful. Pray for us. Je crois que la plupart du temps, ceux qui sont mariés, vous avez un petit bobo, vous vous courez vers Marie. C'est vraiment, elle est le médicament pour les gens pauvres, pour les personnes malades. Et puis, elle comprend aussi tous ceux qui souffrent. Et aussi, je vais vous faire regarder, de voir qu'avec Marie, avec Marie, Mary's life is an example of grief, walking the way of the cross, inflamed by faith, hope, and charity. Et voyez bien Marie comment elle était joyeuse là, avec Joseph et Jésus. Donc c'est là vraiment la famille parfaite. Mais toute sa vie, c'était l'exemple de chagrin jusqu'à qu'elle marche sur le chemin de croix, mais elle était toujours animée par la foi, l'espérance et la charité. Death and grief. Je vais le prendre parce que c'est le plus commun quand on parle de grief, que ça se voit beaucoup plus facilement. Death is a cruel and heartless enemy. All of us deal with death at some time or another. Et c'est vrai, c'est peut-être vous êtes en deuil, vous voyez, vous avez peut-être perdu votre père il y a longtemps, il y a peut-être un deuil récent, mais c'est un ennemi et on doit tous y passer. Crying is okay over here. C'est, je crois, c'est le seul, quand on monte, c'est le seul moment où vraiment on peut se permettre de pleurer. Et il y a beaucoup qui ne pleurent pas, mais en disant, ouais, ils ne pleurent pas, mais c'est pas en ne pleurant pas qu'on est beaucoup plus fort.
Donc, regardez, you grieve, laissez-vous pleurer. Et peut-être en ce moment-ci, en ce qu'on est en train de vous regarder ces images, ça vous fait remonter quelque chose qui remonte. Et nous allons prier parce que souvent, je le dis et je le répète, quand on ouvre une blessure, il faut pouvoir la fermer. Et aujourd'hui, nous demandons à Marie de nous accompagner pour fermer ces blessures. So, you know, it's really maybe you've just lost somebody and someone dear, a loved ones, and you're still grieving. But I always say when we are praying together, we open up the wounds. But the Jesus is the same today, yesterday, and forever. The Lord will be healing us, and we will ask for Mother Mary to intercede because she's the one who knows what he's all about, what his grieving is all about. There are common symptoms of grief, maybe the shock, disbelief, then there's sadness. You know, I didn't get to say goodbye. And maybe there's guilt, there's anger, there's fear. It's not only, I would say, on the emotional level, but it's also at the physical, there's physical symptoms. We often think of grief, you know, as strictly emotional process, but grief also involves physical problems, including fatigue, nausea, lowered immunity, weight loss or weight gain, aches, pain, and insomnia. Maybe now I ask Rosemary to share. Bonsoir tout le monde. Mon papa, il est mort en février 95. Un mois après, ma grande sœur a eu le malheur de perdre son dernier enfant dans un accident tragique qui a coûté la vie à plusieurs jeunes. C'était pas facile pour nous de vivre deux deuils, mais pour ma sœur et sa famille, c'était insupportable de perdre un enfant de 18 ans. 26 ans après, à ce jour, aujourd'hui, elle en garde les séquelles. Elle a de grands moments de tristesse, de solitude, de révolte. Mais la vie continue, elle s'abandonne. Mais on voit que le chagrin est toujours là. Un enfant, c'est une catastrophe. Et voilà que la même année, en 95, son fils aîné, qui était marié, il est très malade, il doit se faire opérer de l'appendice. Il rentre à l'hôpital, son cas est grave, et voilà que sa femme bien-aimée s'envole avec son amant. C'était pour lui une rupture de mariage qu'il a été très, très difficile de surmonter. Après un temps, il s'est remarié et il a eu un enfant, il a eu un fils et bonne famille, bien rangée, bien tranquille. Ça se passait très bien. Et voilà que cette année, le malheur frappe encore et sa femme de 49 ans meurt d'un cancer. Un coup dur pour lui, encore un deuil. Il dit qu'il accepte, mais chacun réagit différemment au deuil. Mais pour moi, comme si la façon qu'il fait, il s'abandonne, il laisse sa barbe pousser, il ne réagit pas, il est résigné. Ben, je respecte son chagrin. Quand vous êtes face à une personne qui est en deuil, des fois, vous n'avez pas besoin de parole. Dans votre voix, la compassion que vous lui montrez, vous l'écoutez, je l'écoute et je lui dis simplement que je l'aime et de continuer à essayer d'avancer. Voilà, mes amis.
Merci, Rosemary. Peut-être je vais vous donner un temps si vous voulez partager d'un deuil, parce que c'est justement, on est là pour vous aider à partager si vous voulez. Sinon, on peut continuer. Hein? Personne ne veut partager là. Hein? Donc, si vous partagez, vous mettez un petit, à un moment donné, vous mettez un petit le pouce pour me dire que vous voulez partager. Merci encore, Rosemary. Quand je voulais vous dire, c'est que grief is a process. Some call it a journey. Everyone grieves differently. We want the grief to be like a straight line. But actually, it works differently. C'est comme une boule de laine. Il y a des gens, il y a des jours où vous êtes bien, il y a des jours où vous êtes mal, et ça revient. Everybody grieves differently. You have to do what is right for you. No one walks in your shoes. It is important. It is really important to be patient with yourself and to allow the process to naturally unfold. Donc, c'est très important. Personne n'est dans vos souliers. Et souvent, je vais dire, pour avoir de l'empathie, il faut pouvoir, pour être dans les chaussures de l'autre, il faut pouvoir commencer à enlever ses chaussures à soi. Donc, personne ne peut vous dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut surtout respecter et avoir une oreille attentive. Et dans le grief, donc quand on fait le deuil, il y a ce qu'on appelle les différents stages. Hein. Là, je l'ai mis en linéaire. Et puis, peut-être, c'est en cercle. C'est sûr, peut-être, non, le cercle, c'est que c'est « you deny it first ». C'est-à-dire « this is can't be happening to me ». You deny it first. And then, c'est « you're angry ». Why is this happening ? Who is to blame ? Et on est très fort là-dessus, souvent. Il faut trouver quelque chose. On veut blâmer quelqu'un. Then maybe you say, make this not happen and in return I will. On essaie de négocier, to bargain. Then, you know, if my husband, he has a sickness and he's very sick. And so, okay, if he's okay, if he goes through, I would go to church, I'll make a rosary, I'll do a pilgrimage, whatever it is, or I'll stop drinking, or I'll step, you know, do shopping or whatever it is, you begin to bargain. And then maybe you go into depression, I'm too sad to do anything. It's just like the Rosemary's nephew, he's in a depression, he's too sad to do anything. Et il se laisse aller, il se rase pas, la vie n'a plus de sens. But at times, these people need help, maybe medical help. And then there's the acceptance. So I'm at peace with what has happened. But it takes time. It's not just in love, you know, number one, number two, number three, number four, number five. No, it's just you may be denying and you accept. And maybe you accept. 2 minutes later, you are in a depression. You know, it just like goes round and round. You just skip one. You begin to bargain and then you accept. So it's the feeling of the people that is going and you learn to respect this feeling. So we have, we Catholic, we have the most powerful heavenly companions
who themselves have shared our sorrows, and you know them. There's the man of sorrows. Tu peux lire Rosemary? Man of sorrows. He was despised and rejected by mankind. A man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Isaiah 53, verse 3. Donc peut-être c'est comme nous, on a le Jésus, il a, he was despised, he's a man of sorrows, il a connu toutes sortes de chagrins. Donc on peut prendre notre force à partir de lui parce qu'il a du vécu et qu'il est proche de nous, on le connaît, on peut le toucher. Et c'est Marie, Our Lady of Sorrows. Donc, je crois que c'est elle, elle a vécu et on va cheminer avec vous les sept douleurs de Marie et comment elle a vécu ces différentes douleurs et comment nous le vivons, nous aussi. Et cette session d'aujourd'hui, c'est pour essayer de dépasser notre souffrance, pour essayer de comprendre la souffrance de Marie. And as I said before, Mary's life is an example of grief, of walking to the way of the cross, but inflamed by faith, hope, and charity. Et toujours regarder dans ce visage de Marie, malgré les douleurs qu'elle va subir, elle est très consciente, mais elle est animée avec cette foi, cette espérance et cette charité. C'est ce qui nous est demandé. We are all invited to see with Mary, to see her on the way to the cross, and to see how much she is being guided and inflamed by faith, hope, and charity. Let's enjoy this song of Mary. So strong and bright.
Suffering with Our Lady. So Marie a suffered the death of Saint Joseph, son époux, and the death of Jesus. Donc elle a connu la souffrance d'être veuve et la souffrance de perdre un enfant. Et pas n'importe quel enfant. So Mary constantly pondered in her heart both the joys and the sorrows in her life. Her grief was always growing as the agony of her son approached. Take time to realize and reflect upon the cause and the source of your sorrow. Peut-être beaucoup d'entre vous ont une souffrance qu'ils vivent en ce moment-ci. Et peut-être d'essayer de réaliser quelle est la cause de cette souffrance. Peut-être ça revient, la perte d'un enfant, la perte d'un époux, d'un travail, d'une trahison, d'un... On t'entend pas, Daniel. Est-ce Daniel? Daniel, on ne t'entend pas. Daniel, tu frises. Non, Daniel est mute. Unmute, Daniel. Elle frise. Non, je la vois. Elle est en train de parler, non? Faut unmute. OK. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour vous consacrer, mais au moins pensez à une chose qui vous fait souffrir. Parce que souvent... Elle est prise en compte. Hein? Most often, grief requires forgiveness. We are called to extend 70 times, both to others and to ourselves. Constant and honest forgiveness is the slow healer of grief. Peut-être nous ne réalisons pas, mais on doit entrer dans un processus de pardon. Par exemple, si on a perdu quelqu'un et que donc on pense que c'est la négligence de l'hôpital, disons c'était une colère qui a suivi et la personne n'a pas pu supporter cette colère, il a fait une crise cardiaque. Donc on essaie de trouver une cause et la cause est souvent ce deuil, on n'arrive pas à le faire. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. On ne pardonne pas le médecin, on ne pardonne pas la bonne ou bien le garde-malade qui n'a pas donné les doses de médicaments comme il faut ou bien que la personne, le garde-malade a maltraité la personne, elle a souffert. Les enfants qui ne sont pas venus rendre visite aux parents, quand on les a appelés, ils étaient occupés. On doit les pardonner parce qu'on dit « Ouais, tu n'avais pas le temps de venir voir ton papa ou ta maman ou voir ta sœur. » Maintenant, elle est décédée, maintenant tu as le temps. Donc, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de colère intérieure. Et ça demande beaucoup d'essayer de trouver the root cause of such grief et de demander pardon, de trouver pardon. Je vais partager avec vous que c'était... Jamais j'aurais cru que faire le deuil demande...
me demande de pardonner. Et plus on, vous allez réaliser, parce qu'après, bon, sur le moment, peut-être que vous ne réalisez pas, mais après, vous allez réaliser que plus vous pardonnez, mieux votre souffrance sera allégée. Et c'est un, it's a very slow healer of grief to keep on asking forgiveness, knowingly and unknowingly. And then to realize, like Mary, the grief is not the end. On ne va pas se plaindre, souffrir tout le long. Il y a Mary continually remember the looming death as she knew that he would rise triumphant of her son Jesus. This did not erase her sorrow, but provided her with the basic of hope that joy and life have the final say. C'est que justement de notre foi, il y a cette espérance, il y a un Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi que nous n'allons pas continuer à notre deuil et ne pas savoir qu'est-ce qui se passe après. Nous, les catholiques, les chrétiens aussi, croient dans la résurrection. Et c'est ça qui nous fait sortir de notre deuil, je ne dis pas plus vite, mais d'avoir une meilleure compréhension. Grief support. On a besoin de l'aide. The family that grieves together heals together. Et ça, je trouvais, justement, à Maurice, on a une très, très belle tradition de faire la prière 7 jours, c'est-à-dire on se réunit pendant 7 jours, on prie. On ne prie pas pour tellement pour le mort, mais on prie pour la famille, pour pouvoir supporter la disparition de l'autre. Et dans les familles, ils sont très respectueux. Il y en a même des familles que je connais qui ont fait 40 jours. Et ces 40 jours ont été pour cimenter la famille davantage. Parce que ces familles, ceux qui ne venaient pas, mais maintenant ils le font sur Zoom, ils n'ont pas de prétexte de dire qu'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas venir. Mais au moins, sur le Zoom, ils peuvent, au moins, ils sont dans les 4 coins de l'île, 4 coins du monde. Ils peuvent se réunir. Il y a des jours où ils peuvent manquer, mais ce n'est pas grave. Mais pendant les 7 ou 40 jours, ils peuvent se réunir pour se dire des choses et découvrir. Donc, the family that grieves together heals together. So, because too often grief isolates us in our trials, and we have to find healing for confining our sorrows and engaging in community. Parce que ce n'est pas juste la famille. We have to go beyond the family because the healing is outside the family very often. Parce que à l'intérieur de la famille, maybe the grief, il y a un package, ce qu'on appelle les family feuds. Il y a eu tellement des discussions, des méchancetés, des désagréments entre oncles et neveux, frères et sœurs et nièces et tout. Et surtout s'il y a un héritage qui est laissé derrière, alors là, ça n'arrange pas les choses. Donc, il y a beaucoup d'amertume. Et qu'on ne peut même pas partager dans la famille. Et souvent, on doit partager ses chagrins et de pouvoir s'engager dans la communauté, dans une communauté de prière pour pouvoir partager ses chagrins. But it takes courage to reach out to friends, families, church and faith communities. Parce que ça vous oblige à sortir. Et je sais que le fait même qu'on puisse se réunir 8 jours, de prier pendant 8 jours, aide énormément à sortir des souffrances, d'être guéri des souffrances antérieures, des blessures antérieures. And to share our sufferings and to bear one another's burden. Et ça, c'est important de pouvoir partager. And then allow others to be companions in your grief. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui disent non, je peux être fort, je me débrouille tout seul. J'ai pas besoin. Et puis bon, dans les autres lui disent, mais écoute, dans 1 an, ça va passer. Alors on attend 1 an qui passe, mais 1 an qui passe, on souffre encore, on n'arrive pas à s'en sortir. So, on doit être accompagné. Et je suis sûre que Marie, avec la mort de Joseph, elle était accompagnée. Mais on ne sait pas si Joseph était déjà mort quand Jésus est parti en mission. On ne sait pas. Peut-être Marie était seule. Bon, elle avait quand même des amis, c'était un petit village, donc elle avait le soutien. Mais on vous dit, un chemin de croix ne se fait pas tout seul. The way of the cross is not walk in isolation, but in the compassionate companionship of the body of Christ. Donc, vous allez voir que quand on aura
on fera bientôt quand on pense au carême, et puis là, on fait les chemins de croix. C'est très rare qu'on voit des personnes, j'en sais quelques-uns, qui font le chemin de croix tout seul. Mais un chemin de croix ne suffit pas seul. Le chemin de croix, c'est tous les jours, nous avons notre chemin de croix. Si on prend les 14 stations, on vit ces 14 stations-là tous les jours. Donc, et c'est en vivant une des stations qu'on peut partager avec les autres. Bien, je vais demander à Marie-Louise de partager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie-Louise. Oui, Marie-Louise, ok. Non. La famille chez moi a vécu des moments très, très difficiles, surtout ma maman. Ma maman a perdu son fils aîné qui avait 40 ans. À l'époque, on n'entendait que des accidents presque toutes les semaines. C'était en 95. Pour vous dire, quand mon frère est mort subitement dans un accident, ma maman, enfin toute la famille, a mal vécu. Parce que c'était un frère, oui, un ami pour moi. Il était tout pour moi. Et ma maman, à un certain moment, tellement ma maman a mal vécu la disparition de son fils, on a pensé que ma maman aimait que mon frère. Ça a duré pendant beaucoup d'années. Et une année après, un an après, mon papa nous a quittés après une semaine de maladie. Et là encore, la famille s'est écroulée. Tout le monde, on n'était que les trois filles ici. Et j'avais un petit frère qui vivait à La Réunion. Comme si les trois filles qui étaient le poteau de ma maman. Ma maman a pris des années pour se remettre. Et voilà, mes chères sœurs et frères, l'année dernière, le seul frère qu'on avait, il meurt subitement, il est tombé. Ma maman, qui avait 92 ans l'année dernière, a dû subir encore une fois cette tragédie. Et le pire dedans, c'est qu'on attendait pour enlever les tubes de mon frère. On a dû assister à cette séparation. Et c'était très, très dur pour tout le monde. Et pour vous dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu faire notre deuil. Pourquoi? Parce que c'était en plein COVID. On n'a pas pu aller à La Réunion pour l'enterrement. Mais seulement le Seigneur, comme Marie a souffert, ma maman a beaucoup souffert, tout le monde a souffert de cette disparition. Mais comme Daniel vient nous dire, à travers Zoom et tout, on a pu assister à l'enterrement. Mais ma maman, comme si, là, en ce moment-ci, elle est malade, de temps en temps, on voit qu'il y a ce chagrin en elle. Et elle parle de tout temps de ses deux fils, de ses deux garçons et de son mari. Et ça fait pitié, je vous dis, de la voir. Et surtout qu'en ce moment-ci, elle est malade. Ça a été très dur pour nous. Mais je prie toujours Marie. Parce qu'elle est notre maman du ciel. On sait que mes deux frères et mon papa sont avec elle. Et de là-haut, elle nous protège. Surtout ma maman. Parce qu'elle est très vieille. Merci Marie d'avoir été toujours là pour ma famille et pour nous tous. Merci. Merci.
Donc, vous voyez toujours, j'aime bien cette photo, cette icône que vous avez. Regardez comment Marie tend ses mains, ou compose nos mains dans sa main. Donc, pour vous dire que Mary's grief is an example of sorrow moved by and inspired by faith, hope and charity. And perhaps hope is the most important here. Donc, voyez la foi qui est la croix. The hope is the anchor and the love is the heart. Hope is the sure and steadfast anchor of the soul. The virtue of hope encourages us to persevere in the tribulation. Il y a cette espérance, comme Rosemary a partagé, surtout Marie-Louise, c'est cette espérance qui nous maintient en vie. Donc, hope sustains us during the times of abandonment, preserves us from selfishness, and leads us to happiness that flows from charity. Parce que quand on a souffert, on comprend mieux la souffrance des autres. Et cette souffrance nous rend beaucoup plus, vraiment plus humbles et nous donne cette espérance qui nous fait vivre. Sinon, au contraire, ce serait le désespoir. S'il n'y a plus rien après la mort, qu'est-ce qui reste? Même dans les relations difficiles, le divorce, une catastrophe financière, mais il y a cette espérance qu'on est en vie. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a pu donner. Et cette espérance, nous le vivons avec le Notre Père. J'aime bien Janet Stewart en 1991 quand ils ont écrit une chapelle de Notre-Dame de ses douleurs. Elle disait « In the spiritual life, the fruit of the sorrow is joy. And that when sorrows fall on the heart that loves God, it is sure to expand in that heart under the sunshine of faith and hope till it will finally ripens into joy. » Whose fruit in turn becomes the seed for eternity. Voilà, Marie, c'est vraiment la Pietà. Et dans In a Vision of Mary to Saint Bridget, Saint Afonsius quotes, I look around at all who are on earth to see if by chance there's any
who pity me and meditate my sorrows, upon my sorrows, and I find that they are very few, they are very few. Therefore, my daughter, though I am forgotten by many, at least do thou not forget me. Consider my anguish and imitate as far as you can my grief. Donc la Vierge nous demande de vraiment de considérer ça, son angoisse et de l'imiter et de comprendre sa souffrance, son deuil. Donc on va parcourir les sept douleurs de Marie et voilà, et vous allez voir, on va prier à un moment donné, donc je serai donné un petit temps de prière après chacune de ces souffrances. Rosemary? The prophecy of Simeon. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Mary, you watch with happiness and amazement as Simeon held your son and prophesied, but you were touched with sorrow when told that Jesus would be a sign of contradiction that would be opposed, and you yourself will be pierced with a sword. Voilà. Marie qui va avec Joseph dans le temple pour la présentation de Jésus au temple. Et voilà que Siméon fait cette prophétie. Vous imaginez ce que Marie doit garder dans son cœur, comme Marie, elle garde tout dans son cœur. Et une autre chose aussi que peut-être on ne pense pas, combien Joseph, lui aussi qui était à côté de Marie, de savoir que Marie va souffrir, et lui peut-être il ne sait pas qu'il va mourir plus tôt, mais après, pour Marie d'être seule à côté de son fils et que son époux Joseph n'est pas à côté de lui et à côté d'elle, ça doit être terrible. Donc vous voyez que Marie, des fois aussi nous en tant que mère, on a des sentiments si notre enfant ne va pas trop souffrir, et s'il souffre, on en souffre autant. À tel point que souvent on dit, Seigneur, donne-moi la souffrance de mon enfant, je ne veux pas que mon enfant souffre. Et combien de fois j'ai entendu des mères dire, Seigneur, donne-moi la souffrance de mon enfant, je ne veux pas que mon enfant souffre. Et vous aussi que, alors imaginez-vous, quand vous demandez, vous le dites, et comment Marie aussi devrait demander au Père, donne-moi le courage de partager cette souffrance de Jésus, qui a porté la souffrance de tous nos péchés et porté la croix. Help me, Mother, to learn to accept the unexpected sorrow in life and to surrender them all in faith to God. Il y a tellement de souffrances que nous vivons, surtout avec toutes sortes de souffrances. Et les souffrances les plus grandes sont avec la famille la plus proche la plupart du temps. Et c'est eux qui nous souffrent le plus, qui nous font souffrir le plus. Et on accepte, mais des fois on ne peut pas accepter. Mais si on fait le va-et-vient avec Marie, on demande à Marie, mais comment tu as pu accepter ces souffrances-là? Tu ne les as pas demandées? Tu as dit oui. Est-ce que nous pouvons dire oui comme Marie devant de telles souffrances? Merci Marie d'avoir dit. Merci Marie d'avoir dit. Oui. Vous connaissez la chanson. Chante Jésus avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Oui.
La joie de Dieu habite en nous. Merci Marie, la voix dit oui. Imaginez toujours, vous allez garder peut-être cette photo et cette image comme si vous prenez votre souffrance, vous le mettez dans la main de Marie. Et vous dites, Marie, merci Marie d'avoir dit oui. Et aide-moi, parce qu'il y a eu la joie après. Il y a cette espérance qui nous fait avancer. The flight to Egypt. Donc, vous allez rire parce que je vais dire, mais écoute, avec Joseph, parce que la semaine prochaine, on va vivre les 10 jours avec Saint-Joseph, avec la prière et le jeûne. Je vais dire, mais nous, on va vivre la bourrique. Et c'est Joseph qui va nous emmener. Et avec nos souffrances, voilà. Nous, on porte la souffrance avec Marie. Marie nous aide à porter notre souffrance pour aller au cheminer. Estelle? The flight into Egypt. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Matthew 2:13. Mary, your heart was crushed when you heard that Herod was looking to destroy Jesus, your son. You had to quickly leave your home and go into a strange land, far from your family and friends and support. The news of innocent children being slaughtered broke your heart. You joined the many mothers who cried out to God in grief. Be with those who have lost children and help them to continue their journey of life with God. Nous nous arrêtons 2 minutes pour prier pour toutes les mamans qui ont perdu leur enfant. Peut-être vous les connaissez, peut-être vous ne les connaissez pas, non. Vous connaissez pas Michel qui est avec nous, il y a Sabine, il y a peut-être plusieurs d'entre vous. Le Seigneur lui donne le courage de pouvoir continuer avec cette espérance et cette joie de la vie éternelle. Toujours encore vous en train de demander à Marie de vous aider à faire le deuil avec cet enfant que vous avez perdu et de voir que Marie console tout. Regardez le regard de Marie, le mari, mais vraiment il vous fixe là, il vous regarde, il dit ma fille tu souffres. Et comme disait Sainte Brigitte, c'est regardez aussi ma souffrance. The loss of the child Jesus in the temple.
After the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Luke 2:43. Mary, your heart was filled with sorrow and anxiety as you looked for Jesus without finding him for 3 days. Perhaps you felt you had failed him. You were worried about what might have happened to him. C'est vrai, comme un parent perd un enfant, ne serait-ce qu'on ne voit pas l'enfant, on est dans un supermarché et on trouve qu'on l'a perdu de vue, l'enfant, dans des réunions, on commence à s'affoler, ou bien dans une fête foraine, ou bien dans un jardin d'enfants. Mais on s'affole tout le temps quand on n'a pas les enfants sous nos yeux. Mary, please help all parents who constantly worry about their sons or daughters who are lost to drugs or crime, or who have lost their faith. Help them in their grief to have hope that, like Jesus, they too will be found. Pensons spécialement à ces parents dont les enfants sont perdus dans la drogue, dans le crime, sont en prison. Et puis pour beaucoup aussi, pour nos enfants qui n'ont pas la foi. Et pensons toujours à cette douleur de Marie. Et puis la joie de le retrouver. Pour nous, c'est cette confiance. On ne sait pas si de nos vivants, on verra nos enfants quitter la drogue, quitter le chemin, une vie dissolue, où ils vont retrouver la foi. Mais nous sommes toujours animés par cette espérance. Quand nous serons dans le ciel, au purgatoire, pour que les enfants puissent être convertis avant pour continuer à prier pour nous. Et si nous sommes au ciel, de prier pour nos enfants. Toujours encore de regarder, de vous mettre en admiration et de vraiment d'avoir un cœur à cœur avec Marie, de voir ses yeux attendrissants qui partagent notre souffrance parce qu'elle a connu toutes les souffrances d'une mère. Et ce son fils était parfait. The meeting of Jesus and Mary on the way of the cross. Regardez ce regard attendrissant d'une mère, d'un fils à une mère, et vice versa. A great number of people followed him. And among them were women who were beating their breast and wailing for him. But Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, 'Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breast that never nursed. Or if they do this when the wood is green, what will happen when it is dry?'" Luke 23:27-31. "Mary, you knew the hour had come. What sorrow and dismay filled you as you saw your son beaten, bloodied, bruised, and humiliated as he made his way through the crowd carrying his cross. You were not going to leave him,
you would walk with him on this road, knowing it was the Father's will. Mary, help us be with those who are suffering and dying. May we not turn away from them in their hour of greatest need. En ce moment-ci, prions Marie pour ces personnes qui souffrent et qui meurent dans les hôpitaux en ce moment-ci. Voyez ce mère attendrissant. The crucifixion, John 19, chapter 17, verse 37. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. John 19, verse 27. Mary, you stood by the cross of your son. A great soul of sorrow pierced your heart. The words of Simeon that you had heard long ago had come to pass. You remained standing by the cross of your son, bringing him what comfort and strength that you could. Your heart in sorrow, thank God, your Father, for allowing you to be the mother of so wonderful a son. You wanted to protect him from the words of hate and revilement that were being cast at him. You wanted to pull the nails out of his hands and feet and comfort him in your arms as you did when he was a baby. But you knew the hour had come. He was to give up his life so that all might live in God. You accepted his last words to you, woman, behold your son. He did this to reveal to you your mission as mother of all those who believe in him. Merci Marie, merci d'avoir accepté de nous d'être notre mère. Et je crois qu'aujourd'hui on appelle Breathing with Mother Mary. C'est vraiment, elle nous accompagne dans chaque moment de nos souffrances. Et nous aurons dit merci pour sa Marie. Mary, help those who comfort the dying with their presence, especially parents who are with a son or daughter who is dying. Give them the strength they need to help the dying to born anew into eternal life. Jesus' body is taken down from the cross. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. John 19:40. Mary, with great love, you held the body of your son. Has there ever been any sorrow like yours?
Mary, our sins put your son on the cross, and because of it, our sins have caused you so much pain. Please accept our contrition. Donc, on va demander pardon au Seigneur de pardonner à tous ceux que nous avons offensés. Reaching out to you, my Lord.
Mary, pray that we may be able to be with you as you held the lifeless body of Jesus, so that we will know the great price and the cost of our redemption and give our hearts completely to God. So look at the again on the hands, our hands in the hands of our Mother Mary. The burial of Jesus. I want you to look at this picture, really, Jesus and Mary. And it is very hard, and I wanted you to imagine, you know, somebody, your loved ones, that you're kissing for the last time, but with the hope that we'll see again. So at the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb in which no one has ever been laid. John 19:41. Mary, you helped to wrap the body of Jesus, and with tenderness, you were with those who laid his body in the tomb. You did so not without hope, for just as God the Father gave Jesus to you miraculously, you also believe in the words of your Son that he would rise again. Help all those who mourn and are in grief from the death of a loved ones. Maybe for many, we have, you know, like, open the wounds, but if the wounds has been healed by the blood of Jesus, pray that you have, that they have a strong faith and hope in the promises of Almighty God. We pray that their sorrow may not lead them to destruction, but to a deeper insight into the height and the depth and the width of God's love for us. And we hope that we have, and the hope that we have in the resurrection. Our lives, like our Lord's, will end with an empty tomb, for his love is far stronger than death. This is a sentence, you know, I would like you to share, because it's like this hope, because I always say when I go to, whenever, you know, when hear somebody, has passed away, and particularly of our loved ones, our spouse or child, whatever, you know, is what God has in store for us. Seigneur, si je me réveille et que toi, mon époux, vous dites le nom de votre époux ou de l'enfant, n'est plus, que je puisse lui dire j'ai été aimé tout ce que j'ai pu aimer. Même si le Seigneur me donne un jour de plus, je n'aurai pas pu l'aimer davantage. It is like the Lord, if I wake up and my spouse or my child is no longer, that I may be able to say, I have loved you all that I could. And even if God gave me another more day to love, I couldn't love you more. Amen. C'est une phrase difficile à dire. Et je vais peut-être vous laisser quelques instants parce qu'on est dans la limite des temps, donc de réfléchir sur ces paroles. Et j'aimerais que vous puissiez le dire à haute voix là où vous êtes, parce qu'on est sur un silence haut. Essayez de le dire si vous pouvez l'écrire. Et je vous donne quelques minutes pour pouvoir l'écrire, si vous avez de quoi écrire. Seigneur, je vous réveille et que toi, mon époux. Parce que pour ma mère ou pour mon père, c'est peut-être relativement plus facile. S'ils sont vieux et qu'on a appris à les aimer, à les découvrir, et que ce soit pas soudain.
je puisse lui dire que j'ai aimé tout ce que j'ai pu t'aimer. Et même si le Seigneur me donne un jour de plus, je n'aurais pas pu t'aimer davantage. C'est une phrase difficile à dire, mais le plus vous le dites, le mieux vous rentrez dans cet esprit de vivre l'amour de Dieu. Try to live the love and the joy to the fullest that God has given us. There's another song of Glenn and Teresa, which I really like to listen, and it's just helps us. I accept you from the hands of my God. A beautiful gift, this gift of love God has given me. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift, this gift of love God has given me. Sorry, I can't repay. I'm sorry I offended you. May God wipe those tears from your eyes. May God heal the hurt within you. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me. Oh, sorry. A beautiful gift, this gift of love God has given me. So we'll close out saying, you don't stop being a mother when talking about Mary.
When a child passes by, now you nurture spirit. As you go from day to day, never will you forget them. Your bodies were once one. They still live within your soul, and they are never really gone. The heavens knows your sorrow and every tear that you have cried. They too have mourned the loss when someone they love died. Have faith in your heavenly Father and in Jesus Christ, his Son. Et je vais, on est dans le temps, je vais mettre en, vous allez faire des commentaires parce que j'ai deux chants de Marie que je voudrais partager. Mais peut-être Annick est retournée. Et Annick, tu voudrais partager ce que tu avais à partager parce que tu n'étais pas là tout à l'heure là. Bonsoir tout le monde. Désolée pour le retard, il y a eu un petit imprévu à la maison. Bon, ben, moi, comme témoignage, je voulais partager la souffrance que j'ai endurée il y a un mois de cela. J'avais perdu ma marraine, donc, qui avait été atteinte du COVID à 80 ans. Et on avait prié pour elle. Et elle aussi, elle ne cessait pas de prier. Là où elle était à INT, elle a fait part au médecin de dire à sa fille de ne pas lui enlever son chapelet qu'elle gardait précieusement avec elle tous les jours de sa souffrance. Donc, elle avait dit une fois aussi à sa fille que si elle devait mourir un jour, que le bon Dieu ne la laisse pas mourir du COVID. Effectivement, elle est sortie de INT, COVID-free, après quelques jours qu'elle a passé là-bas. Elle a été admise à nouveau à l'hôpital de Rosebel. Et après 2 semaines, donc, Jésus est venu la chercher. Et quelque part, vu qu'elle était vieille et tout, j'avais du mal à accepter qu'elle soit partie parce que même étant vieille, elle était là parmi nous. Mais on a continué à prier, Daniel et le groupe, pour que son âme repose en paix et pour que moi aussi, je puisse faire mon deuil, mais malheureusement, après 4 jours, donc elle était décédée un samedi, après 4 jours, j'ai eu ma cousine qui est partie, elle aussi, rejoindre le Seigneur. Et ça a été vraiment un coup de massue pour moi, c'était très, très dur. Je peux actuellement vous parler de ça. C'est grâce à la prière que j'arrive à vous expliquer ça parce qu'avant, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile de perdre 2 membres de la famille. Et ma cousine, elle était âgée de 42 ans. Et elle habitait la même cour que moi. Donc, pour vous faire voir les merveilles du Seigneur dans nos vies, malgré les hauts, malgré les bas de tous les jours. Il est là à côté de nous, il nous soutient. Et je remercie tout le monde, tous les gens qui ont prié pour moi pendant cette période de tristesse. Et je n'ai malheureusement pas pu suivre aujourd'hui, mais
je suis arrivée quand même à entrer. Je m'étais préparée, tout excitée pour pouvoir participer. Mais le petit malin a joué un petit tour aujourd'hui à mon enfant. Alors, je suis là et je remercie Marie qui m'a aidée. Qui m'a aidée comme elle avait fait avec Jésus. J'ai pu me joindre à vous. Même en retard, je suis présente. Merci, Annick. Okay. Anybody want to share? Focus. Oh, Jansine just left. Qui c'est qui veut partager? Julianne, tu veux partager ou? Vous êtes tous dans le même. Oui, je suis là. C'est là, oui. Merci, enfin, de me donner cette occasion, Daniel. Et ce que, enfin, moi aussi, quand j'ai perdu mon enfant, cette année-ci, après 10 ans, on peut dire que c'est cette année-ci qu'on a pu faire notre deuil. Parce que cette année-ci, ça a été différent. Vu qu'on a vécu la réconciliation avec mon mari, et ça nous a beaucoup aidés, comme si on s'est ouvert. Il y avait quelque chose, comme si des deux côtés, il y avait quelque chose enfoui à l'intérieur, comme si sentiment de culpabilité qu'on a pu comme si faire sortir cette année-ci. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on s'est senti léger, qu'on s'est dit, oui, maintenant, on peut la laisser partir. Parce que on se sent... Juste pour nous... Elle avait quand elle... Hein? Enfin, elle était petite, elle avait 3 semaines. Elle a vécu pendant 23 jours. Depuis sa naissance, comme si elle est née avec des complications. Et elle a tenu 23 jours. Mais le médecin avait déjà dit au commencement même qu'on devait s'attendre. Si elle allait vivre, ce serait avec des séquelles. Mais c'était bien minime, comme si la chance de survie. Mm-hmm. Mais finalement, le Seigneur a décidé autrement. D'un côté, comme si, quand elle est partie, j'ai considéré comme si que la Vierge me donnait une nouvelle chance. Une chance comme si de continuer ma vie ici sur Terre, parce que c'était soit elle, soit moi qui portais. Et là, j'ai pris ça comme ça, dans ce sens-là. C'est ça qui m'a permis comme si de continuer le chemin, moi. Comme si j'ai fait un travail, comme si à l'intérieur de moi-même. Un travail comme si c'est que entre Marie, Jésus et moi. D'accord. Comme si je gardais tout cela, tout ce temps, toutes ces années. C'est resté à l'intérieur. Mais cette année-ci, je me suis sentie différente le jour, comme si le jour de son anniversaire, même le jour de l'anniversaire de sa mort, ça a été différent. Là, je peux dire que même le chagrin est toujours là, mais je sais qu'elle veille sur nous de là où elle est. Merci. Ça, c'est mon plus. Oui. Merci à vous. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Sinon, on est 10h06. Je vais terminer par le chant. Si on a celles qui veulent rester, vous pouvez rester quelques minutes après, parce que je dois terminer par le chant. D'accord? J'aime bien cet Ave Maria.
Bien, voilà. Un grand merci à tous. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent redire quelques mots. Il y a beaucoup qui sont partis déjà. De toute façon, on a...